Pour cet examen pratique, que vous devez vous présenter avec une moto en bon état mécanique. Vous devez apporter le certificat d'immatriculation valide et la preuve d'assurance du véhicule. Le port du casque de sécurité approuvé est également obligatoire. La régie vous recommande de porter des vêtements appropriés à la conduite d'une motocyclette, tels un pantalon long, une veste à manches longues et des chaussures solides. Il va de soi que le candidat ne doit pas avoir consommé d'alcool. Maintenant, voyons ensemble les différents exercices que vous aurez à effectuer. Au signal de l'évaluateur, vous débuterez par un virage prononcé à droite. Dès que vous serez engagé dans le sentier peint en blanc, accélérez rapidement et de façon sécuritaire sans toucher aux lignes latérales. Après avoir dépassé le cône orange, ralentissez et arrêtez votre moto, le pneu avant, dans la boîte au bout du sentier. Par la suite, faites demi-tour et replacez le pneu avant sur le T dans la boîte. Assurez-vous que la moto soit placée correctement. Au signal de l'évaluateur, accélérez dans le sentier blanc sans toucher aux lignes latérales. Cette fois, vous devrez effectuer un arrêt en douceur sans dérapage. Votre pneu avant viendra s'immobiliser complètement dans la boîte. Dirigez-vous vers le sentier jaune et prenez la courbe aussi rapidement que possible. Vous devez toutefois le faire sans risque et sans toucher aux lignes latérales jaunes. Dès que vous aurez quitté le sentier jaune, ralentissez et arrêtez votre véhicule. Au signal de l'évaluateur, engagez-vous dans la piste aux lignes blanches. Dès que votre véhicule a dépassé le cône bleu, surveillez le feu rouge au centre. Lorsqu'il s'allume, arrêtez-vous sur la distance la plus courte possible. Vous devez toutefois le faire en toute sécurité. Une fois arrêté, vous devez rester sur place afin de permettre à l'évaluateur de mesurer la distance d'arrêt. Une flèche s'allumera vous indiquant de tourner soit à droite, soit à gauche. À l'apparition de l'une des deux flèches, vous devez dévier dans la direction demandée avant d'atteindre la ligne rouge indiquant l'obstacle. Revenez sur la piste sans passer sur la ligne latérale rouge. Au signal de départ, dirigez-vous vers la piste blanche. Après avoir atteint la vitesse requise, engagez votre véhicule dans la courbe verte. En passant le cône bleu, surveillez le feu rouge simple. Dès qu'il s'allume, arrêtez-vous le plus rapidement possible.